Ok, mesdames et messieurs, sur YouTube et sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Twitch de temps en temps, ceux qui sont sur YouTube. Aujourd'hui, plein d'invocations pour Utao, pour Yelan, pour le simulacre d'eau, pour le bâton de Oma, pour toute la famille. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps à vous faire cette intro, venez toujours sur Twitch. Et on va passer directement aux invocations, en commençant par Samu, qui a beaucoup trop d'invocations. Il en a 546, il veut qu'on lui invoque Utao pour avoir C1. Il veut qu'on invoque le bâton de Oma. Et tout le reste, ce sera pour Mommy Yelan. Apparemment, selon son message. J'ai le droit de tout dépenser. Pierre, Primo, Christo, Astéri, Astrion, Mora, mon gosse, mon job. Ok. Je pense pas avoir assez pour Yelan C6. Elle est C1 actuellement, mais si t'arrives à l'avoir C6, je m'inclinerai devant l'homme very fast. Ok. Bon, il m'a encore mis encore plus de texte, mais j'ai pas lu. Alors, c'est parti. On va commencer avec Utao. Il est à 73 de pitié sur la bannière de perso. Bon, là, alors je sais pas s'il est en 50-50, mais on a le personnage. Je crois que... Est-ce que tu peux me dire si on est en 50-50? J'ai pas fait gaffe. Ok, on est bien en 50-50. Allez, bon, essayons de commencer par une petite win pour se mettre en jambe sur cette session. On en a 3, on veut direct là. Oh, ça commence mal. Oh, ça commence mal. Oh, bordel, Diluc! Oh non, on commence par du Diluked. La première multi, on a déjà un Diluc. J'en ai marre. Je vais terminer cette vidéo tout de suite, en fait. Non. On y va back to back. Deuxième multi, bien sûr, le back to back. Attendez, Samu, il faut qu'on lui donne la Utao, il faut qu'on lui donne Yelan C6. Bon, après, 500 vœux pour avoir la C6. Ouh, copium. Mais peut-être qu'on y arrivera. Passer. Et là, ok, c'est un Zinkyu. On est à 3, on va être à 4. Allez, un petit early pity. Early pity. Et du coup, on n'a pas besoin d'invoquer l'arme 5 étoiles de Yelan. Hein. On va juste invoquer le bâton de Oma. Oh, bordel, Zinkyu. On s'en fout de toi. Ah, mais bordel. Mais bordel, Zinkyu. C'est ta cousine, là, qu'on veut mettre C6. Il y a cousine ou tante, je ne sais pas, Yelan. Allez. Bon, là, on sait très bien que c'est Utao. On sait que j'ai... Ningguang, stop. Voilà. Ok. Première Utao. Et seul, j'espère. Hein. On perd notre 50-50 derrière. Bon, ça aurait pu être marrant. Mais ok. Là, c'est un de Utao. Au moins, ça va être plus simple à jouer. Maintenant, il faut aller chercher un bâton de Oma. On est à 62 de pity apparemment. Donc, on fait une multi et on a un 5 étoiles. Allez, cette fois-ci, on se fait pas le chat. Et après, on met tout. On met tout pour Yelan. Tout pour Yelan. 1, 2. Oh non, pas un arc. Let's go. Let's go. Mesdames et messieurs, road to C6. Maintenant, c'est le moment. Bon, l'homme fast, pas tellement, les gars. On était à la pitié. On était à 62. Mais ok. Du premier coup, on gagne le 50-50. On est très fast aujourd'hui. Il y a plein de sessions à faire. Maintenant, on a 457 vœux pour C6 Yelan. Qui est actuellement extrêmement belle ici. Actuellement constellation 1. Il nous faut 5 Yelan. C6 c'est chaud. Mais on veut aller le plus loin possible. Si on a des. Si on gagne les 50-50. Si on. Comment dire. Si on a des early pity, ça ira bien. Visons la C4. Ouais, visons au moins la C4. Bon, les 4 étoiles, on s'en fiche, hein, je dois vous avouer. On va les skip. Ouais. 3, 4. Oh, bien sûr, on n'aura pas de early. Bien sûr, on n'aura pas de early. 5. Je désespère. 6. 7. Let's go. Là, c'est le 5 étoiles. Là, c'est le 5 étoiles. Il y a eu un petit doute à la fin quand j'ai dit étoile. J'ai cru que ça allait être violet. On gagne le 50-50. On veut la momie de Samu. Ce sera direct une Yelan qui est accompagnée de Zinkyu, évidemment. Donc, on est d'accord, hein, on n'a toujours pas vu le 5 étoiles. On n'a toujours pas vu le 5 étoiles. Ah, ouais, on va avoir Yelan dans la multi, là. Ah, je suis sûr que ça va être Yelan. On va gagner notre 50-50. Oh, oh. Let's go. Let's go. Et oui, vous ne mourrez pas, Oyoverse. Vous ne mourrez pas. Let's go. Oh.
Oh là là. Mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Qu'il y aurait Yelan dans cette multi. Bonjour Chichi. Du coup, t'as même une costelle de Chichi, hein. Tout est encore possible. Bon, il nous en reste 4. Encore 4. On gagne nos 50-50, on a des early. Eh, c'est possible. Tout est possible. Allez, hop. 1. 2. 3. 4. Pourquoi la pitié à chaque fois, ZinQ Impact? 5. Il y a tout lié dans la multi. Oh bordel. Ça fait beaucoup de ZinQ. Ah, mais sachant qu'en plus on pourra faire des multis supplémentaires avec tous les Astrions. Bon, faut que j'arrête de gueuler, ce n'est que la première session. Je vais plus avoir de voix. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Où sont les early? Où sont les back to... Enfin, le back to back, on l'a eu. C'est vrai, après Chichi. Ok. Bon. Allez. Maintenant, c'est une deuxième. Deuxième. Yelan. Pour la C3. 3, 4, 5, 6e item de la multi-home. Bon, j'espère que la musique d'Oggy et les cafards qui en font va nous porter bonheur. Peut-être. Mais bordel, on va avoir toute la bannière permanente, c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est... On a perdu tous les 50-50 de personnages, hein. Par contre, c'est terrible. Ok. 300 vœux pour 4 Yelan. À un moment, on va avoir deux... On va avoir deux Yelan dans la multi. D'ailleurs, chose marrante, me semble-t-il que c'est la première fois que j'ai deux personnages 5 étoiles dans la même multi. Même en comptant les invocations à bout. C'est plutôt dingue. Bon, du coup, c'est qui après? C'est Tinari, c'est ça? On va avoir Tinari, on va avoir... peut-être Jean. Ah, il nous manque Jean. Oh, bordel, mais on va aller jusqu'à la pitié à chaque fois. Hein. C'est... On est à 5. 6. Ah, j'ai déjà eu 2 Ayaka. Ok, d'accord. Bon, ça, on sait que c'est Yelan. Allez, une deuxième. 2 dans la même ulti. Oh, bordel. Tu vas le curse, là. Qu'est-ce que tu racontes? Absolument pas. Bon, on s'attendait à cette Yelan. C3. Je crois qu'on l'a fait en 6 multi. Is okay. Encore 3 Yelan en 237 vœux. C'est possible. Tous les 50-50 de gagner, c'est possible. Ok, enfin, si on gagne tous les 50-50. 2. Tout est possible, tout est pesable. Il faut croire en ses rêves, chat. Je vous l'ai déjà dit. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir Chichi et Yelan dans la même multi. Mais au secours, par contre, on ira toujours à la pitié. On n'aura pas de early, les trucs comme ça. Non, non, non. Hein. On ira à minimum 6 ou 7 multi pour avoir un 5 étoiles. Oh, bordel! J'en ai marre de voir tous ces InQ, là. Ok. Ok. Bon, c'est quoi? C'est autour de qui, cette fois-ci? C'est autour de Jean? Tinari? C'est ça? Ketching, peut-être? Eh, on va faire toute la bannière perma... Oh, punaise, tu m'as fait peur. Oh, tu m'as fait peur, ZinQ, j'en ai marre de te voir. Non. Là, il faut l'avoir. Là, il faut bien gagner un 50-50. On s'est fait... On a eu 3 personnages sur la bannière perma. Ils vont pas nous en mettre un 4e d'affilée. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, bon. Après, regardez, on a encore 6 multi avec les Astrions. Ça nous fait 210 vœux. Tout est encore possible. Copium, un petit peu. Mais c'est possible. 2, 3, 4... Non mais c'est que la première session et je suis déjà dans un mauvais mood, là. Ça me désespère. Ça me désespère. Allez, 2 Yelan dans la même multi. Mais en plus, on va à la pitié à chaque fois. Non, mais c'est parce que j'ai eu Chichi et Yelan dans le même multi, c'est ça? C'est à cause de ça? Ouais, c'est à cause de la playlist aussi, hein. La playlist, elle est vachement cursed. Bon, il n'y en a qu'une seule, avec une vieille Beidou, là. Désolé, Beidou, c'est un dommage collatéral. Je vais trash talk tout le monde, hein. Ok, donc là, j'ai besoin d'un petit rappel. Elle est C combien? Elle est C4. Elle est C4. Encore 2, 2. Encore 2. Regardez le nombre de vœux qu'on va faire avec les Astrions. Tout va bien. Moi, je crois en mes rêves, vous savez. Et je ne peux que y croire. Je ne peux que y croire à cette Yelan C6. Il l'aura C6. Samu aura Yelan C6. Et vous savez ce qui va même se passer? C'est qu'on en aura une. On en aura 3. 3, ouais. Puisque la dernière Yelan qu'on aura... Bah, en fait, on en aura 2 dans la même ulti. C'est ce qui va se passer. Ouais, je vous le dis. Je crois en l'âme des vœux, exactement. Allez, la Yelan pour Samu, s'il vous plaît. J'ai déjà plus de voix. Ce n'est que la première session.
Non, ce sera toujours à la pitié. On est à 4 multi. 5 multi. On ira toujours jusqu'à la pitié, hein. C'est ça? C'est ça? Ouais, ok. 6. Ah ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais, ouais. C'est exactement ça. 7. Ouais, non, bah, art de pitié. Art de pitié. On est à plus de 70 vœux. Exactement. 8. Pity Impact. Ok. Bon. Maintenant, vous arrêtez de me mettre vos vieux personnages de la bannière permanente. Et vous me mettez une belle Yelan. On a perdu 4 50-50 de personnages. On a eu 2 Mona, 1 Diluc, 1 Chichi. On n'a pas envie de ces personnages. Je n'ai plus envie de voir ces personnages. Je n'ai pas envie de voir une Ketching. Pas un Tilari. Pas une Jean. Tu me mets une Yelan. Eh, dernière corde. Dernière corde, jouable sur Yelan, c'est Yelan. Après ça, let's go! Let's go, mesdames et messieurs. On peut y arriver. On peut y arriver. Enfin! Un 50-50 de gagner. On est à la C5. On est C5. Il nous reste une pity. Si on gagne le 50-50, c'est la C6. On va l'avoir early. Je vais prendre que 40. Regardez. On l'a C6 de toute manière, on l'a eu tellement early, même si on perd le 50-50. Bon, on va gagner le 50-50, je vous spoil. Le back-to-back. Une Yelan. Peidou, arrête. Une Yelan. On l'aura quand même C6. Je m'en fous. On a assez de vœux. On a assez d'Astrion pour avoir la C6. Là, on fait encore... On a encore combien, là? On peut se faire 40. On a 77 vœux. On l'a forcément. Bon, ça nous aura tout coûté. Mais on l'aura eu C6. Et t'auras eu 15 000... 15 000 constellations de personnages de la perma. Ouais, hop. Allez, deux. Le plus early possible. Ce sera le plus early possible. Un Bennett qui se balade par là. Mais qu'est-ce qu'il comptait faire ici? Seulement 13. On est des rats. On est des rats ici. Ah, bordel. C'est la dernière multi. La dernière multi. Non! Ce n'est toujours pas fini. Eh, n'empêche, Samu, je t'aurais gagné... Enfin, je t'aurais fait deux back-to-back, hein. Il y avait deux early, hein. Bah, une multi avec 2-5 étoiles et un back-to-back. C'est quand même pas mal, hein. Ok, bon, on va aller jusqu'au bout, c'est ça? On va aller vraiment jusqu'au bout. Je suis en train de perdre une multi par une multi, mais ils veulent vraiment qu'on ait plus une seule primogème, plus un seul vœu. Ok, merci. Enfin. Elle est là. Regardez-moi. Cette beauté. Et là, de Yelan, comme je l'avais prédit. Ce serait marrant. Voilà, Yelan C6. On n'y croyait pas au début. On était en mode... Pff, ok, peut-être qu'on aura Yelan C6, t'as vu le nombre de vœux. On l'a vraiment eu. On les a raquettés. On a raquetté Oyoverse. Bon, ils nous ont aussi raquettés puisqu'on n'a plus rien derrière, mais on les a raquettés. Regardez-moi ça. Constellation. Boum. Constellation 6. Ah, c'est si beau. Alors, du coup, on a eu Ketching, c'est 2. On a eu Diluc, c'est 2. On a eu Mona, c'est 3. On a eu Chichi, c'est 3. Magnifique. Magnifique. Maintenant, c'est au tour de Master Game. Qui veut Utao C1. Il a déjà Utao, mais il veut qu'on aille chercher sa C1. Mais avant ça, il lui faut le bâton de Houma. On est à 49 invocations. Donc là, à tout moment, on fait une multi et c'est bon. On a le bâton de Houma et on se casse. Bon, ça aurait été trop beau. Ouh, une épée de Favonius. Eh, épée de Favonius, toujours bien. Une autre petite multi, là. Vas-y. Voilà, là, c'est le 5 étoiles. Maintenant, on veut voir le beau bâton. Après, eh, vous savez, cette bannière d'armes... Peu importe ce qu'on a, c'est une win. Bon, sauf si on tombe sur une arme de la bannière perma. Mais, eh, si on tombe sur l'arc, c'est une excellente arme qui peut aller avec n'importe quel DPS... Ouh, let's go, Zincube. Avec n'importe quel DPS archer. En tout cas, la plupart. Eh, le bâton rouge. Exactement, on veut le bâton rouge. L'arc bleu est beau, mais on veut le bâton rouge.
Regardez comme il est beau cet arc bleu là. C'est parfaitement ce qu'on voulait. C'est une win. Chat, c'est une win. C'est une bonne arme. Ah non, c'est une bonne arme. Faut pas être déçu, Master Game. Voyons. Wait, c'est pas ton premier. C'est pas le premier. Ah. Apparemment, il y en avait déjà. Bon, ok, c'est peut-être bien une défaite. Bon, c'est pas grave. Regardez, on va la voir juste après. Et on gagnera le 50-50 sur Utao pour avoir la C1. On aura tout avec ce qu'il a actuellement. Et moi, j'y crois. Toujours croire en ses rêves. On a réussi à avoir une C6. On va bien pouvoir avoir un bâton de Oma et une Utao C1. Quand même, back-to-back. Bon, non, là, ce n'est plus le moment de back-to-back. Mais par contre, là, c'est assez tôt. C'est assez tôt. Deux Oma, ce serait marrant. Là, on a fait 4 multi, un truc comme ça. 3, 4... Le bâton rouge, la lance qui ne ressemble pas à une lance. Ce soir, tu me portes bonheur. T'avais qu'à pas passer devant moi. Tu me portes bonheur cette fois-ci, chat. Ouais, c'est ça. Mords-moi la main. Lâche, allez. Si on a encore l'arc, il porte définitivement malheur, ce chat. Et pourtant, c'est un chat roux. C'est pas un... S'il n'y a pas un chat noir, c'est pas un chat qui porte malheur. Vous savez, il est roux, donc ça fait penser à rouge. Ce qui fait donc penser à bâton de Oma, puisque c'est le bâton rouge. Exactement. Bordel, bon, par contre, on l'aura late. Reste encore un tout petit peu, reste encore un tout petit peu, puisque le bâton, il est là. Yes, let's go! Let's go! Il est en train de me bouffer pour fêter ça. Oh, merci. Merci, mon chat. Oula. Ouais, il tenait plus en place, hein. Mais désolé, mes bras ne sont pas assez musclés pour soulever ce chat très longtemps. Wouh! Let's go, le bâton de Oma! Il est plus cursed, ce chat, historique. Bon, là, on est littéralement à 0 de pitié sur la bannière de personnage. Et on est en 50-50. Mais on croit en nos rêves. On croit à la chance que le chat nous a donnée pour cette session. C'est la session bénie par le chat. Donc, on fait une multi. On fait une deuxième multi. On n'aura rien ici. On n'aura rien. Je le sais, je le sais. La prochaine, on n'aura rien non plus. On aura, bon, des Ningguang C20. Là, on n'aura rien. On n'aura rien. Non, je le sais très bien. Faut pas se voiler la face. Voilà, on a une Beidou. Hey, constel de Beidou. Let's go. Là, non, je le sens pas non plus. Non, c'est encore rien du tout. Voilà. Parfait. Pas parfait. Bon, non. Non, pas tellement. Mais voilà, un Zinkyu. Déjà, c'est 30. On s'en fiche. Là. Non, j'y crois pas. J'y croyais pas. Mais par contre, je crois en la prochaine multi. Je crois aux 5 étoiles dans la prochaine multi. C'est mon flair. Mais la prochaine, là, après. Bon, c'est un petit peu parce qu'on se rapproche de la pity. Mais celle d'après, je voulais dire. Celle-là. Maintenant qu'on est à la pity. Utao, le chat nous a porté bonheur. Tu vas continuer à nous porter bonheur. 2. Aïe, c'est bon, lui aussi il est heureux. Il est heureux, bien joué chat, tu as porté bonheur à Master Game. Maintenant il a sa Utao C1 ainsi que le bâton de Oma. Et un autre Aqua Simulator qui est bien, qui est très très bien. On va jusqu'au bout peut-être, une autre Utao. J'y ai cru. Il y a combien de 4 étoiles là? Oh lolo, c'est plutôt beau. Du coup bah c'est bon. C'est bon pour Master Game, on a tout. Ouais, incroyable, merci. Il te reste encore 9000 primos. Autour de Alesser pour une arme. Non, on a déjà Yelan. Je sais pas s'il avait déjà Utao, j'ai pas fait gaffe. Mais il veut tout simplement la lance d'Oma. Et si possible, un simulacro d'eau. On a 21000 primogènes, 30 vœux. C'est peut-être faisable. Mais il faudra être chanceux. Mais on veut en priorité le bâton de Oma. Donc let's go. Pas de Utao. Ah, ok. Mais on veut quand même les deux armes. On skip, on speedrun. Ah oui, il m'a dit qu'il était à peu près à 50 vœux sur la bannière. Donc là, on devrait être à 70. Donc là, on est à 70. Là, je suis sûr que je fais une multi, j'ai un 5 étoiles. Regardez. Voilà, une single, je veux dire. On a un 5 étoiles. Et c'est le bâton de Oma. Et voilà. Non mais voilà. Pour vous dire à quel point on était... Pas loin de la pitié. Let's go. Simulacre. Tu veux tenter on tente le simulacre quand même. Go. Ok. Maintenant, on va réinitialiser, puisque de toute façon, on l'a eu. Simulacre d'eau. Voilà. Une multi. Et c'est bon. On en parle de comment tu viens de pré-shot. Bah, il avait fait 50 vœux minimum. On a fait 2 multi. La pitié, la hard pitié de la bannière d'armes, c'est 80. Donc, les chances d'avoir le 5 étoiles... Elles étaient vachement grandes. Alors, une chance sur 10, minimum. Ok, bon, allez, 2. 3.
Allez, un simulacre. Un simulacre. Mmh. Non, ça c'est pas le bon arc. Ça c'est un arc 4 étoiles. Yax. Passer. Hey. Ok, non, t'avais déjà fait Solstice. Pas très utile. Ok. Le 5 étoiles. On veut du bleu. On veut l'arc avec le petit cœur. Je crois que c'est même pas un cœur, c'est censé être un papillon, non? On va dire que c'est un petit cœur, c'est plus poétique. L'arc avec son petit cœur, là. Puisque on ne veut pas que notre cœur soit brisé. On veut pas que Yelan brise notre cœur. Donc, qu'elle nous donne son arc avec le petit cœur. Allez, l'arc bleu. L'arc bleu. Yes! Ouais, c'est un papillon. Let's go! Tout va bien, mesdames et messieurs. On shaft MiHoYo là. Aujourd'hui, on shaft HoYoverse. On a nos deux armes et on n'a pas mis tant de vœux que ça. On se met bien. Bon, après, on avait l'appétit d'avancer. Mais on se met bien. Bon, on a été tellement chanceux que Alessar veut qu'on aille sur la bannière de personnage pour Utao. Laissez-moi vérifier l'appétit. Bon, on est à 20. On est à 20 et on est en 55 ans. Est-ce que je suis aussi chanceux que ça? Quand même pas. Je pense qu'on peut aller jusqu'aux 5 étoiles. On est à 30. 30 invocations. On va être à 40. On va encore aller à la pitié, comme d'habitude. J'en ai marre. Il n'y a que ça. Mais tant qu'on a nos 5 étoiles à la fin, on va dire que cela aura valu le coup. Pas qu'on perd pas les 55. Waouh. Pas sympa, ça, hein. La dernière multi. On a 6950 primogèmes. Il y a 69 dedans. C'est le chiffre porte-bonheur. C'est le 5 étoiles. 53, c'est... C'est moins un chiffre porte-bonheur. Waouh! On va vraiment aller jusque là? Aussi loin? Il nous reste deux multi, après on a plus de primogèmes. Ok. Bon. Tant pis. Let's go! On aura eu tout ce que tu voulais. On était venu juste pour deux armes. Et on se barre avec Utao. En plus de ça. Aïe aïe. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Et en plus, on a une console de Zinkyu. Mais let's go! Let's go! Allez, Ser, tu veux quoi en perso? Tu veux quoi en 5 étoiles sur la bannière perma? Ah bah, maintenant qu'on en est là, hein. Une épée? Ah non, pas les épées, une main. Non, 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 j'en ai zéro. Ouais, mais elle est pas ouf. Non, demande pas ça. Demande-moi autre chose. Demande-moi autre chose. Bannière perma, allez, Ser, veut Tineri. Bon, il voulait l'épée à une main. Non, 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 non. Allez, pas l'épée à une main, on arrête ces bêtises, là. On est à 62 vœux, un truc comme ça. Donc Tineri. Tineri, on a eu tout ce qu'il voulait. Eh, franchement, si on arrive à avoir Tineri sur la perma, je réalise juste tous vos vœux, en fait. C'est ça. Bon, j'ai pas réalisé tous les vœux, mais c'est pas loin, hein, c'est un arc. Hein. Eh, aile de la voûte d'azur, très bonne arme. Très bonne arme. On est bien avec ça, hein. Aïe, mais comment ça, aïe? Mais c'est une bonne arme! C'est sans doute la meilleure arme de cette bannière! Il y en a qui sont pas dingues, hein. Et en plus, c'est une console de Zinyan. Eh, il l'avait pas! Il l'avait pas! C'est une win! Franchement, ton compte, il va être bien équipé. On va faire une petite multi, là, juste pour le fun, là. Ouais, non. Ember? Ember? Ouais. Un œil de la perception. J'espérais rien. Là, ça va être au tour de Ibanana Split pour Utao, son arme. Et Yelan. Mais on a... Oh, 215 vœux quand même. Bon, je sais pas si je pourrais tout avoir, sauf si on est fast. Et du coup, on va commencer par Utao, puis son arme. Yelan, on verra, hein, puisque Yelan, c'est une constelle. Donc, on est à 30 de pity, et on est en 55 ans. Ok. Donc, let's go. Première multi, on va être à 40. 40 vœux. Passé. Yening Wang, c'est bon, hein. Moi, les 4 étoiles, maintenant, je commence à en avoir marre, hein. 5, ouais, 6, passé. Ah, bon, tu n'avais pas Beidou C6, maintenant tu l'as C7, parfait. 7, je crois. Allez, là, c'est le 5 étoiles, Utao. On a de la chance avec Utao. On a gagné pratiquement tous les 50-50 de Utao, sauf la première. Donc là, c'en est une. Il me manque qui en perso 5 étoiles de perma pour ce soir là. Je crois qu'on les a pratiquement tous fait, hein. Ouais. Jin C2, GG. Ah, Ibanana Split a l'air d'être content d'avoir eu Jin. Donc c'est bien. On va dire que c'est.
moins un bon côté. Jin, c'est deux, c'est très bien. Ouais, vite fait. Ouais, bon, en fait, non. Là, je le sens dans ton message, le... Ouais, vite fait. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Allez, on y va. Back to back. Le Zinkyu. Le Zinkyu est déjà ceci, s'il me semble. On va être à deux multi. Beidou, on s'en fout. 3 multi, hop, ouais, le... Je sais même plus comment s'appelle cette arme. Je m'en fiche de son nom. Le seul nom que j'ai en tête, là, c'est Utao. Donc, on va aller la chercher. À la pitié, on va la chercher, malheureusement, j'ai l'impression. On est à 6, 7, ok. Et là, vous allez voir. Je vais skip, et ça va me donner 2 5 étoiles. Let's go! Allez, on compense, on a perdu un 50-50, mais je te donne 2 Utao. Oh, et en plus, c'est la... Oh, ça te donne la super bonne C1. Oh, let's go! Oh, mince! Bon, je ne sais pas si on pourra avoir la première constelle de Yelan, mais on a la première constelle de Utao. Bon, bah, Oma. Ouais, voilà, let's go, Oma. Finalement, on a de la chance ce soir. C'est très bizarre. On a des pics. Soit on est très chanceux, soit c'est on perd tous nos 50-50 et on va à la pitié à chaque fois. On est à combien? À 10 de pitié apparemment, donc on va être à 20. Allez, 30. Faut partager la luck. Et là, je suis en train de partager ma luck avec vous tous, là. Enfin, avec ceux qui me laissent invoquer sur leur compte. Évidemment. Une petite Noël. Bon, allez. J'aurais peut-être dû m'inscrire pour aujourd'hui. Eh, tout à l'heure, il y en a un qui disait « Oh non, Alex, il porte malheur. Faut... » J'ai bien fait... Ah, par contre, il y avait un Razor hors focus, là. M'a dit PLS en voyant ça. Hop, passé. Mais au secours. Au secours. On est à 5. 6. Là, ok, c'est le 5 étoiles. Allez! En fait, skip la multi du 5 étoiles, ça nous permet d'avoir ce qu'on veut, en fait. Donc là, je vais faire passer, et ça va être un bâton de Oma. C'est pas la bonne arme rouge, hein. On a eu une arme rouge, mais hey, elle est bien. Elle est bien. Oh, nice, je l'avais pas. Quitte à perdre des 50-50, on te donne des trucs utiles. Bon, on continue, hein. Alors, let's go, hein. On continue. Ouais, une multi. Razor plus mort du loup, c'est vrai. 2 multi. Roi multi. Mais on sait que là, si on tombe sur un 5 étoiles, c'est une win. Là, c'est pas on perd un 50-50 sur une arme de la perma. On l'a déjà fait, et en plus, c'était l'une des meilleures. Là, on va forcément tomber sur Simulacre d'eau ou Bâton de Oma. C'est une win. Sauf si t'as peut-être déjà... Pas Simulacre. Ah, t'as déjà Simulacre d'eau. Donc, ouais, non, on veut vraiment le Bâton de Oma. Tout est possible. On est à 2 multi, 3 multi, je me souviens même plus, déjà. Let's go, tout. Ouais, let's go, tout. Tout dépensé pour le Bâton de Oma. Non, je voulais pas voir cette arme, je la connais déjà bien. Allez. On va devoir faire des singles. La multi de la destinée pour le bâton rouge. Bon, ok, ça va être les singles de la destinée. 3 vœux. 4 vœux, d'ailleurs, avec les astéries. Non, non. Avant-dernier. Avant-dernier vœu. Oh! Le bâton de Oma. Oh, bordel. J'aurai plus de voix pour les invoques de demain. R2. On l'a R2 maintenant. Allez. Copium, on a 3 vœux. Back to back. Back to back. Si on fait la dinguerie là. Si on fait la dinguerie. Oh non. Bien sûr, ça va pas être la dinguerie. Oh. C'était trop beau pour elle, bref. Bon, j'ai déjà réussi à prédire la double Utao. C'est déjà un exploit. Du coup, merci Banana de m'avoir laissé invoquer sur ton compte. Maintenant, passons à la prochaine. Là, c'est au tour de Mitrix qui veut Utao, arme et peut-être Yelan. Un petit peu greedy, mais on ne sait jamais. On est à 60 de pity sur les persos. On est en 50-50. Donc, 2 multi, on a Utao. On aura Utao. Regardez, cette fois-ci, j'y crois. Peut-être qu'on va enfin gagner un 50-50. Même si la dernière fois, on a gagné un 50-50. On a eu deux Utao dans la même multi. Allez, Utao. Parce que Aika nous arrête, elle nous porte bonheur. Donc, on va avoir une Utao ici. À 4, à 5, et voilà. Voilà, merci Aika. Tu portes bonheur à Mitrix. C'est grâce à toi qu'on a réussi à la choper. Et là, je vais skip, ce qui va nous en donner une deuxième.
Bertrand, ça marche pas deux fois. Ça ne peut marcher qu'une fois. Maintenant qu'on a eu notre Utao, c'est au tour de l'arme. Fais une pitié sur l'arme, on aura peu importe ce qu'on aura. Et après, on tentera une Yela. J'espère que... Ah, on était à 55 de pitié sur la bannière d'arme. Donc là, c'est un petit peu normal. Je me suis dit, quoi ? L'homme fast ? Non. On était déjà avancé. On va être à peu près... Là, c'est 56e. 57. 58. 59. 60. Je sais même pas ce que tu préfères. Ah, préférence bâton de Homa, mais peu importe. Ok, allez, peu importe. On ne sera pas déçu. Cette multi va pas nous décevoir. On a eu Chongyun. On va pas être déçu. Non, pas être déçu. Voilà. Simulacrono. Bon, on aurait bien voulu bâton de Homa, mais Simulacrono, c'est très bien. Et qui sait, on va peut-être avancer dans cette pitié et avoir le bâton de Homa en même temps. J'essaye de faire des calls comme ça. Il y a des jours où ça passe. Genre avec les double Utao. Bon, on a fait une pitié. On verra bien s'il nous reste plein de vœux. On fera encore peut-être une pitié. On verra bien. Mais maintenant, c'est la Yelan. Confirme-moi, Matrix. On part sur la Yelan. On a son arc maintenant. C'est le moment d'y aller. Note à moi, réussir ses invoques, demander à Alex. Une Yelan. Ok, c'est parti. Donc là, on vient juste d'avoir Utao. Donc on va être à peu près à 0 de pity. On a une Beidou. T'avais pas Beidou C6. Parfait. Et ouais, tu les avais déjà C6. Voilà. Ok, bon, c'est juste Beidou. On va essayer d'avoir le plus de Beidou possible. Allez. Passez. Non. On veut sa femme à elle. On veut la femme de Ningguang, on veut Beidou. Alors ça, c'est une arme qui m'invoque sur seulement la bannière d'art. Oh, bordel. C'était une Beidou. Confirmé. Passé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, Raizou. Incroyable, le petit bonhomme, il est là. Oh, par contre, passé. Ah, voilà, une Beidou. On se rapproche de la C6. Peut-être qu'elle est C6 maintenant. On est à combien? Alors, je dois t'avouer que je ne sais même pas. Là, je pense que... Là, c'est la multi du 5 étoiles. Ok. Maintenant. On a eu l'arc. Faut bien... Sa porteuse. C'est bien sa porteuse qu'on va avoir. On va bien sûr avoir... Mommy Yelan. Pour aller avec Utao. Puisque les deux vont très bien ensemble. Waouh. Jamais de la vie, on aura un Diluc. Ou un Tinari. Ou une Ketching. Ou je ne sais quel perso. Ce sera Yelan. Mouvement vagabond. Oui. Ombre féreuse. Let's go. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai jamais été aussi chanceux! Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ça? J'arrive pas à m'en remettre. Mais j'ai... Ok, en une soirée, on a fait 3 fois double 5 étoiles dans une multi. Je crois que j'ai dépensé ma chance de toute une année. Hein. Tout sur arme. Ah, là, Matrix, il se dit... Ok, là, c'est vraiment la soirée d'Alex. C'est la soirée d'Alex. On met tout sur l'arme. Tout sur l'arme. Il va avoir le bâton d'Oma. Ok, on va tenter. Mais non, on va jouer au loto. Mais non, justement, les potes. Quand on est trop chanceux, il y a le karma. Donc là, je vais bientôt me faire shaft. Mais... C'est parce que toutes les dernières fois, je me suis fait shaft. Donc là, je suis chanceux ce soir. Et bien sûr, c'est un soir où je n'invoque pas pour moi-même, c'est pour vous. Je vous donne toute ma chance. Donc là, quand il y aura Deya, quand j'invoquerai pour moi, je vais encore me faire shaft. Parce que j'aurai dépensé toute ma chance pour vous. Eh, ne serais-je quand même pas un bon streamer. Qui en plus vous donne l'épée antique des 1000 litres. 4 multi, Astéri et Astrion aussi. En majuscule, Matrix, il est chaud bouillant. Il a vu 2 Yelan. Il en peut plus. Il en peut plus. 5. J'ai même pas vu. On a bloqué bâton de Homa, on est d'accord. Oh, une Rosa. Qui aime pas C6. Ah, c'est Simulacre d'eau. Hein. Ouais. Bon, on va mettre bâton de Homa. Hein. voilà, chemin divin. Ouais, c'est bon. J'ai pensé. Et donc là, la multi. Passer. Bah, on va faire des singles. Allez, les singles. Pour le bâton de Homa. Là, on a avancé dans la pitié. On va forcément avoir un 5 étoiles dans tout ça. Hop. Astérion. J'ai pas pris ceux du mois. T'as pas pris ceux du mois? Ok, let's go, les potes. Ok. On a la multi.
La multi. La dernière, la multi de la destinée pour le bâton de Oma. On le régale ce soir. On lui a eu deux Yelan, une Utao, un Snaqua Simulacre et un bordel de bâton de Oma. Non ! Un bâton de Oma dans la même multi. Un bâton de Oma de... Eh, on n'est plus à ça près. Il y aura encore deux 5 étoiles dans la même multi, là. C'est bon. On aura tenté, hein. On aura tenté. Mais là, je pense qu'on a été trop chanceux. Copium. Back to back. Back to back, chat. Regardez. Hop, hop, hop. Non ! Bon. Ok. C'est terrible. Ah, c'est terrible. On aura tenté. Franchement, on a eu deux Yelan. Donc là, on va pas pouvoir se plaindre. Hein. Là, les potes, on se met bien pour Mitrix. En masse, il reste un vœu en primo. On y va. En masse. Ok. C'était pour un 4 étoiles. Un arc rouillé. Incroyable. Bon, bah, Mitrix, allez, je te rends ton compte. Profite bien de ta Yelan C1. Bon, du coup, YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like avant de partir. Et bien sûr, à vous abonner pour être au courant que je sortirai mes prochaines sessions d'Avoc, puisqu'il y en a énormément à faire avec Utao et Yelan. Donc, il y aura quelques vidéos comme ça. N'hésitez pas aussi à passer sur Twitch de temps en temps pour assister au prochain live Invocation, prochain live review de compte, review de perso, flexion perso, tout ça. Le lien est toujours en description. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube !